Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Sam, aujourd'hui on se retrouve pour une série un peu spéciale, une nouvelle série avec plein de modes et tout, enfin plutôt un mode mais qui rajoute plein de trucs extraordinaires, vous allez voir. Mais tout de suite je vais vous présenter mon compagnon de série. Oh shit, un creeper. Non. Donc aujourd'hui je suis avec Julien, alors. Salut à toi Julien. Ouais salut. Bon alors c'est, je vous préviens tout de suite, hein, c'est entre Julien, Juju, aïe tu me fais bobo. Juju 2301, voilà. Bref, il a plein de pseudos, c'est totalement fou. Voilà, on le voit là. Donc bon, il ben, paraît très très grand en fait, mais comme vous avez vu, c'est juste moi aussi qui est très très petit. Donc vous vous demandez on pourquoi. Mon épée est disproportionnée par rapport à moi. Shit, y'a un bonhomme tout bleu. Aïe. Oh, non. Bon, on va juste le tuer. Alors comme vous pouvez voir, il y a des niveaux au-dessus de sa tête et tout. Bon, je vais vous expliquer. C'est ce qu'aujourd'hui on se retrouve avec un mode très spécial. On se retrouve avec le mode Hack Slash Mine qui rajoute plein de trucs extraordinaires en fait, qui transforme un peu Minecraft en MMORPG on va dire, parce que bon, bah, pas mal de gens se plaignent du fait que Minecraft soit devenu un RPG, mais là vraiment c'est du RPG pur et dur. Et honnêtement, ah mais ce mode il est énorme. Ouais, ce mode il est absolument épique quoi, il rajoute plein de mobs. Donc toi t'es vachement grand parce que tu es un elfe mage. Elf. Et moi je suis un warrior nain. Alors je suis tout petit. Donc là on peut voir un nouveau système d'inventaire avec plein de slots, voilà. Crafting table, on peut mettre notre armure plus des anneaux spéciaux et tout, on verra tout ça au fur et à mesure. Ici il y a mes attaques spéciales, donc je vais vous présenter tout ça. Alors on connaît un peu le mode avec Julien, parce que on a déjà testé hier. Voilà, je suis allé chez lui et on a testé un peu le mode et puis voilà quoi, on a essayé de découvrir un peu pour histoire de commencer pas trop comme des noobs en fait, donc même si ça risque d'être plutôt épique au début parce qu'on va se faire défoncer je pense. Alors ouais, je vous explique, le but principal du mode on va dire c'est de se faire donjon sur donjon pour avoir des items spéciaux. Alors pourquoi je dis spéciaux, c'est parce que chaque item, ah bah là il y a un item pour moi. Attends, je le donne. Voilà, donc là ça c'est un club. Alors regardez, quand je vais sur le club il y a noté damage, c'est 2 à 5. Donc et là l'épée ça va être 3 à 4. Donc chaque item a sa particularité en fait. On peut utiliser des items par exemple toi utilise voir ton bâton. Voilà, voilà. Ça lance des boules de feu. Il lance des boules de feu. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai fait un 3-6. 3-6-6-6 ouais. C'est ton ultime. Voilà, en fait, c'est une technique que je peux utiliser comme le boost là par exemple. Donc ça me permet de foncer sur les mobs pour les fracasser. Hop là. Oh le casque. Ah t'as ramassé un casque. Et donc là-haut, et ben ah c'est moi qui l'a. Effectivement. On défense 1, c'est un peu de la gnognotte. Regarde qu'est-ce qu'il y a devant nous. Il y a un donjon. Donc on n'a pas fait exprès, on a spawn ici, on a commencé la vidéo quand on a spawn. Donc au début quand on rentre dans le jeu, il propose de choisir la classe. Hein, c'est un affichage vraiment bidon, hein, très simple. Par contre j'avais jamais vu de creeper avant sur ouais que les creepers parce que bizarre, ouais il hein. Y a un mob, c'est un creeper serpent chelou, je ne sais absolument pas c'est quoi. Fait une big explosion. Voilà, c'est bizarre. Donc aussi comme vous voulez voir on a toujours les niveaux d'XP en bas, mais cette fois-ci quand on monte de niveau on peut augmenter des caractéristiques comme dans les vrais MMORPG quoi, c'est vraiment ils ont géré quoi, c'est un de fou. C'est presque un nouveau jeu. Ouais voilà, c'est un nouveau jeu carrément. Donc nous en vidéo on va enchaîner les donjons hein, bien sûr parce que c'est vous allez voir c'est un truc de fou les donjons. Oh j'ai un chestplate. Hop là. Oh, allez viens on va faire le premier donjon. Et vous allez comprendre. On, bah, on connaît pas tout du mode hein. On vous a juste expliqué un peu les basiques. On voulait voir en haut à gauche en droite pardon, je ne sais c'est même plus ma gauche de ma droite. Il y a une minimap qui nous montre les mobs aux alentours tout ça. Donc là il y a le donjon, faut juste essayer de trouver l'entrée. Par contre c'est bizarre qu'il y ait des nagas partout parce que d'habitude le seul endroit où on a vu nous c'était dans des donjons. Il y a des slimes aussi, ils changent de ça couleur. Ça dépend les zones aussi hein. Ouais c'est visiblement ça dépend les zones. Donc il y a des biomes spéciaux aussi hein. Je sais pas si t'as remarqué au-dessus de la carte là ça change de zone à chaque fois. Ouais ouais. Ah là, il y a le serpent chelou. Il y a le serpent chelou. Oh là là. Oh bon bah voilà. J'ai des explosions de taré par contre. Voilà quoi qu'est-ce qui ressemble. Ouais. Vas-y tu le. Donc on va je ramasse des blocs pour monter. Ouais c'est bon, moi j'ai déjà des blocs. Voilà. Ouais, c'est tué. C'est un slime. Oh la honte là. Je suis presque mort.
mort par un slime, honnêtement, ouais, ça le fait pas. Donc comme vous pouvez voir aussi, en bas, on a une nouvelle barre de vie, hein, barre de mana aussi. Clairement, j'en ai que dalle. Par contre, moi, le mana, ça me sert pas à grand-chose parce que je suis pas un mage. Par contre, ouais, donc les souris qui sortaient là, ça venait du donjon. Viens, mais vite, faut que tu pètes. Vas-y, je pète le spawner. Il y en avait un à côté de toi aussi, tu l'as pas vu. Un arc, ça nous a givé un arc. Ah non, non, non. Je vais pas mourir contre des slimes non plus. 3-6-6, voilà. Donc vraiment, ma technique de spin là, elle fait vachement mal parce que elle attaque tout aux alentours. Moi souvent, je suis déjà en train de le péter, donc voilà. Mais moi, le problème, mon attaque, elle tue aussi. Alors... Ouais, voilà, lui, il a une attaque et même si on a le PVP, ça me fait mal quand même. Non, merci, c'est toi qui m'as fait tomber. Hein. Ouh, tous les critiques. Ah oui, il y a du peuple. Oh oui, oh oui, oh oui, il y a du monde, il y a du monde. Oh, c'est abusé. J'ai volé tout le monde. Il y a plein de mini slime qui m'explosent la face. Ouais, il y a des squelettes aussi. Ouais, j'ai vu ça. Ah, c'est un squelette spécial, lui, regardez, il est orange. C'est Ah, il a un nom ou pas? On voit pas bien parce qu'il est à moitié dans le mur. Ok, c'est Dryburn. Oh, il est géant, il a un nom aussi. Oula. De spawn. Oh non, il y a un slime spécial. Ah, vas-y, pète les spawners, j'essaie. Non, quand tu les tues, je crois que tu drops des objets un peu. Ouais, ouais, tu drops des objets spéciaux. Vas-y, je le fête. Voilà. Oh là, je vais mourir. Ouais, moi je vais. Là, j'essaye de faire quelque chose contre lui là, mais. Il y a pas mal de. Il est énorme! Ah, oh, j'ai plus de 18 coeurs moi. Je suis dans le caca. Ah, il a drop un bâton. Allez, vas-y, pars, descends. Je suis niveau 2. J'ai pas vu, mais j'ai level up. Normalement, ça me rend mal. Ah, c'est bon, je suis en dessous. Ouais, moi aussi, j'ai level up, mais bon. T'as pas rendu ta vie? Ouais, mais c'était avant de rentrer dans le donjon. Je vais crever. Ah bah bravo, tu m'as tué avec ton attaque. Tu m'as tué avec ton attaque, je le crois pas. Ah, sans faire esprit. Bon, bah c'est pas grave, le donjon était pas loin du spawn, faut juste que je le trouve. Ah, au pire tu le vois du spawn et tu vois mon point aussi. Donc vous allez voir, je vais augmenter mes capacités. Donc moi étant un warrior, je vais augmenter un peu ma force et ma vie. Hop là. Tandis que moi l'intelligence. Voilà. Toi t'es trop intelligent. J'avais quitté le mode plein écran parce que j'ai appuyé sur un bouton trop bizarre. Bon, je t'attends parce que là c'est la ouais, galère. Attends deux secondes, je suis juste des nagas qui étaient autour de moi. Donc j'ai ramassé. Non, j'ai cru que j'avais ramassé une épée. Donc ça aurait pu être intéressant d'avoir une épée. Donc aussi, il n'y a pas que par exemple les dommages qui vont de temps à temps. Il y a aussi des trucs genre plus 15% de durabilité, plus 15% de speed, plus 1 en intelligence. Il y a des trucs comme ça. Donc on va devoir répartir entre Julien et moi le stuff. Il y a des slimes partout. Ouais, il a drop une hache. Donc les haches aussi dans ce jeu permettent d'attaquer. De faire mal. Ouais. Tu peux parer les coups je crois avec. Ouais peut-être. Je ne sais pas, à vrai dire. Ouais, là je fais quand même plus de dégâts. Hein. Je fais un peu plus bobo quand même. Par contre ouais, j'ai toujours perdu pas mal de vie. Donc vas-y, go. Hop, un slime qui change de couleur. Oh là là, le coup c'est quoi le trou temps. Oh, il y a un trou en haut. Il y a des trous. Si on veut, on peut monter plus rapidement. Je suis bien cheaté ça. Ouais d'accord. Vas-y, essaye de péter les spawns, ouais, essaye de péter les spawns. Parce que là moi je me prends tous les trucs, ça fait bobo quoi. Eh j'y vais. Vas-y, moi je m'occupe de tout le monde là. J'ai des bâtons pour toi si tu veux. Ouais. Meurs saleté. Voilà. On est un peu plus tranquille. Oh, yeah. Alors j'ai un Firebolt 1-3, ça sert à rien, tiens, je te donne un casque. Ouais non, c'est bon, c'est pareil. 2-5, c'est pareil. J'ai déjà un casque. T'as déjà un casque? Ah, j'ai un 3-5, oh j'ai un 3-5, tiens. Ah, ça par contre, ça m'intéresse. C'est lequel? Attends, j'en ai drop aussi, un autre. Ah, si. Bon, ça, je m'en fous. Non, de toute façon, j'ai pas de flèche. Arrête de jeter tous tes trucs, toi. Tu les jettes partout, c'est pas une poubelle. Oula, c'est des boules vertes, là. Ouais, ouais, c'est des genres de boules d'acide ou je sais pas quoi. Ouais, nous tournous ou je sais pas quoi. Ouais, mais je te dis, les slimes, ils sont pas. Mais non, ils tombent d'au-dessus, là, ouais, c'est ça. Mais les slimes, ils sont pas. Ils affectent pas la magie, je crois. Si, il y en a qui ouais, résistent. Il y en a un gros encore. Il ouais, y en a un big là. Oh non, je suis tombé. Ah, il y a aussi des squelettes, je comprends pas trop. Ouais, il y a des squelettes aussi. Putain, mais il y a des spawners partout là. Oh, ah, lui, c'est un coup là, c'est un autre. Ouais, là, il y en a un big, il est en feu là. Ah, c'est bon, on le tue. Ouais, c'est bon, il est mort. Oula, vas-y, j'essaie déjà de péter un spawner. Si je me fais pas tuer avant. Oh non, il est passé devant moi, ça a arrêté le cassage du bloc. Vas-y, pète. Non, il veut pas le péter.
Ouais, je suis dans la mouise. C'est bon, j'en ai eu un. J'essaye de les faire tomber en bas, mais... Et tu as les spawners ici. Vas-y, là, tape-le. Eh, mais ils prennent que dalle comme dégâts, les squelettes. Ah, moi, les squelettes, ils prennent bien. Vas-y, essaye de péter les spawners, toi. Je pensais que t'étais encore en bas, tu vois. Et on les fait tous tomber en bas, là, ça... C'est la grosse galère. Ouais, j'avoue. J'ai l'impression qu'ils sont trop grands les squelettes. J'ai l'impression que c'est des squelettes spéciaux, je vois. Attends, t'es un nain, tu vois qu'ils sont grands. Ouais, je sais. Ah, il y a de la pluie, non, j'aime pas ça. Bon, allez, on continue. Attends, je vais monter. Je vais juste sécuriser un peu le chemin. Voilà, allez hop, go. Vas-y. Oula, vas-y, va en premier. Ah, je suis passé niveau 3. Ah, ouais, toujours niveau 10. Spin en montant l'échelle. Oh, il y a des creepers. Ouais, vas-y, fais-tu péter. Wow, j'ai fait bobo là. Oh, ils ont pris cher. Il y a encore un bâton. J'ai éliminé toute la salle en 2 secondes, mec. C'était abusé. Ils ont pris. Vas-y, pète tout. Bon, après, je vais augmenter mes capacités. T'es toujours niveau 1, toi? Non, niveau 2, presque 3. Ok, bah, t'as augmenté tes capacités déjà. Ouais. Moi, j'ai augmenté un peu de ma vie, parce que j'ai l'impression que je suis un peu à la ramasse au niveau vie. Ouais, moi aussi je meurs un peu la vie parce que là. J'ai 168 de vie moi. Ouais, y'a. Ah, j'aime pas. Je pense qu'il nous reste environ encore 2 salles. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, y'en a plein. Ah, j'ai réussi à utiliser mon pouvoir, mais j'ai peur de te tuer. Oula, je te vois. Je sais pas, vas-y. Fais. Plus que vainqueur. Bah, évite de me taper avec, c'est tout. C'est juste à me sauver pendant que je sais pas de qui. Ouais, bah moi je te protège. Ouais. Critical hit. Et encore des zombies en haut. Hein. Je sais pas si t'entends. Ouais, j'entends des mobs encore en haut. Est-ce que j'ai un truc intéressant pour toi? J'ai un 3-5 pour Firebolt. Non, c'est bon. Est-ce que tu veux un chestplate? Tu veux des armures là? Non, pour l'instant ça va. Au pire, on ira en haut d'abord. Là, c'est comme un labyrinthe, c'est bizarre le truc. Okay. Il y a tout plein de blocs de bois. C'est pas du bois ça. Wow, ouais, de la pierre. Tu sais tout m'a l'air super grand, ça fait vraiment bizarre. Ça doit faire mal à la tête à force les 3-6 que je suis. Les spawners d'araignée. Voilà. Hop là, allez hop, on dégage un peu tout ça. Tac. Voilà, mais il est où le spawner de zombies? Je sais pas, mais il y en a un qui est venu de là. Ah, il est là. Faudra juste qu'on se crave des pioches en cobble. Honnêtement, ce qu'il faut faire juste dans le jeu là au niveau ressources, c'est torches et trucs en cobble. Je pense que... Oh, il y a des raptors, torches, y a des raptors. Prendre sous les murs. Il y a de la lave, il y a de la lave. Non, je suis tombé dans la lave, Et où t'es où? Je vais mourir. Oh, il y a un truc violet là. Oh là, il y a des raptors. Putain, les raptors, ils sont relous. Hein. Ils prennent pas. Ah, ils sont nuls par contre. Vas-y, meurs toi. Putain, j'ai foiré. Mais lui truc. Voilà. Ah, ça fait beau. Vas-y, hein. Allez. Ça c'est fait. Maintenant on détruit le spawner de raptor. T'as rien drop avec le slime géant? Faut que je regarde, mais j'ai pas vu. J'ai rien reçu. Il faut des bruits d'araignée. Et c'est pas qu'ils aient pas mis de bruit à chaque fois. Ouais, parce que bon, les scorpions au pire, c'est pas grave. Pour les raptors qui font des bruits d'araignée. C'est un club pour. Voilà. Bon, allez, je crois qu'il. Oh, ah, pas encore la dernière salle? Ouais, vas-y, passe en premier, sinon on va tomber dans la lave là. Et tu sais qu'après c'est toujours pas parce que la dernière salle, non, il y a un tapis rouge. Ah bah si, là il y est. Ok, bah c'est... après c'est la allez, dernière allez, salle. Allez, allez, on fait tout. Donc après on ira explorer un géant. Peu quand même, parce qu'on a été assez rapide pour faire ce donjon quand même. Il y a même carrément des donjons souterrains et tout, c'est un truc de... Mais ceux-là, ils sont plus... Ouais, il y en a, c'est... Bah faut regarder la couleur le level donjons, 5, en fait. Quoi. Il y a des niveaux 5 et tout, mais il y en a qui sont moins compliqués. Vas-y, je pète le spawner, toi tu le tues. C'est bon, je l'ai. Il a droppé un casque, une hache. Donc là... S'ils se divisent un peu... Ouais, c'est relou qu'ils arrêtent pas de se diviser. Allez, alors, est-ce qu'il y a va. Quelque chose de spécial? Non. Un coffre. Oh, un coffre. Attends, je vais aller le voir. Tu vas être surpris là. Oh, ça c'est du bon stuff. Oh, il y a un club en spawn. Mais par contre, j'ai pas compris à quoi ça sert la viande, tout ça. Ouais, la viande, je sais pas, parce qu'on peut pas manger. Donc, alors, plus 2 de force, c'est pour moi. Le bâton, je le prends. Ouais, vas-y, prends le bâton. Ça.
Défense. L'anneau, il est bizarre. L'anneau, ça moins donne. De force. Bah, prends-toi Wisdom, parce que toi, t'as pas besoin de la force. La hache, elle est nulle. Le club, il est terrible. Prends le club. Le club, il est terrible. Et ça, bah, un coup de porte-choc. Pork shop, je sais même pas. Prends, on te met dans l'inventaire. Ouais, on prend au pire, on s'en fiche. Voilà. Je vais me débarrasser de quelques petits trucs, genre. T'as eu de l'armure, toi? Ouais, j'ai un peu. Oh, j'ai eu que dalle. Par contre, le bâton, il est pas mal, hein. 6 à 9. 6 à 9, le bâton. Bon, je pose les deux bâtons. Tain, j'ai 40 arcs, là, c'est abusé. J'ai un pantalon cheaté. Ouais, en fait, ouais, j'ai moi, plus je de vais m'équiper maintenant, bon. Parce que là, j'ai des trucs pas mal, vraiment pas mal. Alors, pantalon cheaté, hop là, on a gagné plus 1 ici, anneau cheaté, hop. Il y a aussi des nouveaux matériaux, on dirait, parce que là, avant, il y avait un truc en cuir. Voilà, bon, moi, j'ai mis tout ce que j'avais. J'ai mon super club, on va voir s'il fait bobo ou pas. Zombie, j'entends des zombies, moi, je sais pas où ils sont. Ils doivent être dehors, parce que je vois pas de mob ici. Allez, Zou, on y va. Ouais, il y a du zombie de partout, dehors. Mais ouais, les donjons souterrains, ils sont encore plus chauds, parce que il y a des épreuves de parcours avec de la lave et tout. Ouais, mais bon, au pire, avec le téléportation... Ouais, parce que... Toi, bah, moi, j'ai super pas saut. De... Ouais, moi, j'ai un saut, mais... Parce que Julien... Par contre, pour les archers, ouais, ça va être Julien n'a pas les mêmes sorts que moi. Ouais, je leur mets deux coups. Ouais, moi, je suis un mage. Ouais, je leur fais trop mal, c'est abusé. D'accord. Qu'est-ce que tu fais toi? Je sais pas, je trouvais plus mon bâton. Il pleut. Ah, il pleut. Bon, on va direction où maintenant? Je sais pas. Tout droit. Faut voir. Sur la petite île. Ben non, ça sert à rien, rien. Encore un slam cheaté là-bas. Ah ouais? Ouais, on va plutôt essayer d'aller chercher un coffre ou je ne sais quoi. Attends, je saute, je saute. Ça serait sympa qu'on leur fasse un truc souterrain, mais on va attendre un peu déjà parce que. Ouais, faut le feu aussi. Ouais, par contre, le spawn de mob là il est juste énormissime. Ouais, il fait beaucoup plus mal. Mon... Donc, alors là, ils sont niveau 1 pour le moment, hein, mais après ça va augmenter en niveau, hein, donc vous inquiétez pas. Donc, après, on va devoir attaquer des trucs sur cheaté, vous allez voir. Ah là, oui, un nouveau biome. Je trouve un nouveau biome. Oh, la pluie, c'est relou par contre. Ouais, j'arrive. Parce que t'es loin de moi là, ouais, je crois. J'ai parti à droite, toi à gauche. Voilà, j'ai un biome chelou. On est dans une jungle, mais jungle la sauce hack slash mine. C'est avec le ouais, rouge tout ça ouais, hein. C'est ça. Je pense qu'il doit avoir un donjon là-dedans. Par contre, ici il n'y a plus de naga, donc c'est cool. Bon, il y a des slimes bidons. Mais... Ouh, puis... tous les creepers. Par contre, là il y a. Ouais, il y a pas mal de gens là. Pas mal de gens. Ça serait pas mal d'adopter des loups aussi. Je sais pas si on peut les monter de niveau les loups. Ça serait marrant ça. Je sais pas, mais en tout cas j'ai des loups. Faut qu'on se renseigne encore un peu sur le mode, voir toutes les réelles capacités. Je savais que si on appuie sur R. Je pense que c'est pareil. R, ça ouvre. Donc ici on pourra mettre des sorts ou je ne sais quoi. Pour le moment ça nous concerne pas parce qu'on est encore au début du jeu. Alors on est que niveau 3 donc. Voilà. En tout cas, j'espère que ce let's play va vous plaire, parce que c'est un mode vraiment énorme à jouer. Épique. Et donc voilà, on vous fera quelques petits épisodes avec Julien en parallèle à Wild Story. Voilà, je suis mort. Tu t'es fait tuer par un naga, tu te fous de moi. Ouais, j'étais en train de vouloir adopter un loup, et d'un coup, je me suis retourné, il y avait trois trucs en train de me taper, ouais, j'avais plus de 20 points de vie. Il y avait même pas de donjon dans le coin, là, abusé. Il y a un biome neige. Oh là là, la pluie c'est saoulant la pluie. Bon ça, il y a tout plein d'arbres là. Hop hop. Par contre, je te vois plus sur la carte. Ouais, bah je suis assez loin quand même. Va falloir qu'on se retrouve parce que. Ouais, mais toi t'es retourné au spawn, je le crois pas. Alors aussi. Ouais, mais c'était à côté de la tour. Ouais, il y a une petite particularité avec ce mode, c'est que quand on meurt, on perd pas son stuff. Comme dans les. Comme dans les sinon, jeux normaux, hein, dans les MMORPG. J'ai jamais vu qu'on perdait tout son stuff, ce qui serait assez rageant quand même, hein, si on perdait tout notre stuff. T'imagines, level 5. Heureusement qu'aussi on garde les levels, hein. Cheaté et tout,
avec plus 5 en force, des trucs comme ça, et que après on se tape un truc pourri qu'on meurt, on ragerait comme des porcs. Ouais, bon, là on mettrait des lits, des coffres de partout. Ouais. J'ai aucune idée de où tu es. Je sais pas si on peut faire des. Je me bats dans la jungle, je vois absolument rien. Je suis dans le même biome que toi, je crois. T'es dans des la jungle, jungle ouais, ou des champs de jungle. Je te vois pas. Attends, je crois que c'est non. Tu me vois ou pas sur la carte là, le petit point non, bleu je te là. Vois pas. Tu me vois toi? Bizarre, moi je te vois, ouais, ouais. Ah, je te vois. Je suis en train de. Je te vois au fond. Hop. Hop. Je me téléporte de partout, il y a des arbres. Ouais, pareil, moi je peux utiliser mon. Ah, ah c'est là. Oui. Un nain qui fait des sauts géants. Ouais, tu te décolles. Ouais, par contre, je me fais bobo quand je fais ça. Putain, je peux sauter d'arbre en arbre, c'est génial. Aïe, ouais, moi, je me suis pris un truc en plein vol, c'était méchant. Par contre, ça consomme beaucoup de mana, je viens de remarquer. Ta téléportation. Mon téléphone. Ouais, possible. Moi, ça. Toi, je sais pas si t'as du mana qui ouais, bah, s'utilise oui, avec si, j'utilise un truc. Mais voilà, quoi, ça se trouve, j'ai une direct, donc on m'en fout. Bon. Les gens, on va vous laisser ici pour ce premier épisode. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit let's play. Et on se retrouve très très bientôt avec Julien pour le deuxième épisode. Allez, ciao tout le monde. Allez, à plus.